venganza tome forma. Sabrás de qué estoy hecho y llorarás una vez que mi venganza tome forma. Te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo. No despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, llora. Llora, llora, llora. Alors comme ça, tu vas juste divorcer de ton mari. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Je suis restée pour Isabella, mais elle a grandi maintenant. Ne me raconte pas de conneries. C'est la vérité. Et puis pourquoi je divorcerais si tu as épousé Laetitia? Mais maintenant... Attends, que ce soit bien clair. On fait ça parce qu'on le veut tous les deux. Mais ne crois pas que je vais quitter ma femme. Est-ce que c'est clair? Très clair. Ah. De toute façon, je ne veux pas me remarier. Je voulais juste te faire savoir que ce qui se passe entre toi et moi, ni Germaine ni personne d'autre n'a pu me faire ressentir ça. Je suis content que tu comprennes quelle est ta place et quelle est celle de ma femme. Je veux juste passer du bon temps avec toi. Et en étant sous le même toit, on va vraiment pouvoir se faire plaisir, non? Eh bien, fais-moi plaisir et convainc ta fille de ne pas épouser mon fils. Pourquoi ma fille n'est pas bien pour ton fils juste parce qu'on n'a pas d'argent? Heureusement pour toi, ni Raphaël ni moi ne sommes intéressés et on n'a besoin de rien. Il est incapable de faire à Isabella ce que tu m'as fait. J'étais très jeune et je ne savais pas ce que je faisais. Ah. Je te demande pardon, s'il te plaît. Mais comme tu le dis, nos enfants ne se soucient pas de l'argent, ils s'aiment. Alors je ne comprends pas pourquoi tu t'opposes à leur mariage. Mais enfin, tout ça me semble précipité. Et je pense qu'ils sont ensemble plus par habitude et pour s'amuser que parce qu'ils peuvent former un mariage solide. Ils s'aiment, Octavio. Qu'ils continuent à s'aimer, mais de loin. Pendant que Raphaël fait son master en Italie et que ta fille termine l'université. Ce serait cruel pour eux, tu ne penses pas? Et je ne veux pas qu'ils souffrent d'être séparés comme... J'ai moi-même souffert de t'avoir si proche. Mais si loin en même temps. C'est juste un test pour leur amour. S'ils s'aiment toujours malgré le temps et la distance... Alors je serai le premier à soutenir leur mariage. Il reste à voir ce qu'ils décident. Mais bon, passons à autre chose. Maintenant, j'aimerais te donner quelque chose pour que tu penses à moi. Toute la journée. J'espère que tu t'es calmé maintenant. Plus ou moins. Je ne sais pas ce qu'il y a chez ce type suffisant, mais il me casse les pieds. Écoute, tu sais que je suis ton ami. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il était sincère. Ah oui, alors pourquoi Bruno a dit que Raphaël l'avait envoyé pour blesser ma jument? Parce que Bruno est ce type de mec qui te poignarde dans le dos, mais qui se défile quand tu l'affrontes en face. Tout ce que je sais, Louis, c'est que j'ai été trompée. Ils ont blessé ma jument et quelqu'un va payer pour ça. Et donc tu as décidé que ça serait Raphaël? Alors qui d'autre? Il a récupéré le prix, non? Et il a triché. Laisse-le maintenant payer les conséquences. Oh non, avec une rivale comme toi, je ne voudrais pas être à la place de Raphaël. Oh, Louise. Sérieusement, tu n'as pas besoin de m'emmener au ranch. Oh, je sais que tu peux te défendre, mais je préfère ne pas te laisser seul. Et puis, ne crois pas que je le fais pour toi, mais pour les hommes de la région. Aïe! Je dois les protéger de ta fureur. Je ne suis pas si méchante. Je savais que tu allais dire ça.
Sérieusement, ne t'inquiète pas pour moi, tu as assez de problèmes avec toutes tes femmes. Et crois-moi, ça ne te ferait pas de mal de décider qui est l'amour de ta vie une fois pour toutes, Louis. Mais ça, je le sais. L'amour de ma vie était Myriam, c'est clair pour moi. Alors, et Rosalina ? Eh bien, elle est gentille, c'est un amour. Je l'aime beaucoup et je lui ai proposé de venir vivre avec moi. Alors, Candela s'en va ? Eh bien, je dois lui parler pour qu'elle déménage de son plein gré. Tu n'aurais pas dû commencer par là ? Parce que maintenant, elles vont se battre. Et les gens vont finir par t'appeler le sultan du village avec son harem. N'importe quoi ! Patron, je suis toujours dans le restaurant du Shilang. Ce Louis, vous savez quoi? Il part avec Fernanda Linares. Quoi? Vous voulez que je le suive? Ah, très bien. Je vous tiens au courant. Laetitia, je voulais te remercier d'avoir accueilli ma famille ici. Et cette valise? Je dois laisser Julia et Isabella ici pendant que je leur cherche un autre endroit où elles pourront vivre. Tu n'as pas besoin de partir pour ça, German. Je resterai bien. Mais la vérité, c'est que ma fille n'a pas besoin de moi. Et Julia m'a demandé le divorce. Je suis en trop ici. Julia ne m'en a pas parlé. Mais peut-être qu'elle ne le pensait pas et peut-être qu'elle a dit ça parce qu'elle était en colère. Ça va s'arranger. Et ensuite, elle finira par te soutenir. Ce que tu ferais pour Octavio, non? Mais pas Julia. Où comptes-tu aller? Chez Toribio, c'était mon contremaître. Il m'a offert de m'héberger quand il a appris qu'on était viré de la ferme. Oh, ça me ferait beaucoup de mal si tu partais comme ça, German. Toi et moi avons toujours été amis. C'est pourquoi je te demande de ne pas partir. Ne me dis pas ça. Écoute, German, attends encore quelques jours. Peut-être qu'à ce moment-là, Julia aura réfléchi et que tu pourras prendre une décision avec plus de recul. Fais-le comme une faveur pour moi, d'accord? Cette année, beaucoup de touristes sont venus à la foire. Rien de tel que venir à Ishamal pour passer du bon temps. Mon père a toujours dit que ce village était un monde à part. Et il avait tellement raison. Ouais. Je vais passer à l'église. Tu viens avec moi, Louis? Eh bien, vas-y toi, et moi je vais t'attendre. C'est juste que la seule fois où je suis entré dans cette église, c'était pour mon mariage avec Myriam. Alors quoi, ça te rend triste de venir et de te souvenir? Non, j'ai plutôt honte. Là-bas, je lui ai promis tellement de choses que je n'ai pas tenu. Je vais t'attendre à côté du café qui est juste au coin de la rue. Je vais remercier Dieu d'avoir été sauvé dans l'usine de conditionnement. D'accord. Et je vais prier pour toi aussi. Fais bien attention. Oui. Je ne me pardonnerai jamais pour ce que j'ai fait, Myriam. Maintenant, il faut découvrir où sont passés le Shilango et Fernanda. Là, regardez, patron. Voilà la fille. Attends-moi ici. On est rentré, Juana. Juana ! Juana ! Juana ! Juana, réveille-toi ! Juana ! Clara ! Clara ! Quoi ? Oh non! Juana! Non, Juana! Qu'est-ce qui s'est passé, Gabriel? Ils ont tué Juana! Non, c'est pas possible! Juana! Oh mon Dieu! Non! Juana! Juana! Saint-Père, toi qui illumines le monde entier, merci de m'avoir toujours sauvé. Je sais que c'est un signe qu'à travers toi, je rendrai la justice. Tu sais très bien que je ne me fais pas d'illusions. Rendre la justice est la seule chose qui me permet de continuer de faire semblant d'être en vie. Enlevez votre chapeau! Enlevez votre chapeau!
Ne laisse personne me prendre la vie sans voir tomber ceux qui m'ont fait tant de mal. Donne-moi la force de ne jamais faillir. C'est tout ce que je te demande, Seigneur. Pourquoi me poursuivez-vous? Si vous êtes muet, faites-moi des signes parce que je n'entends rien. Non, excuse-moi, je ne voulais pas te déranger. Je voulais simplement apprendre à mieux te connaître. Pourquoi ça? Je vous dois quelque chose, qu'est-ce que vous voulez? Je voulais juste te féliciter parce que je t'ai vu courir. Et pour être honnête, je n'avais jamais vu une femme avec autant de substance et autant de compétences pour dominer le terrain, je suis impressionné. Merci, excusez-moi. Attends. J'aimerais beaucoup t'offrir un verre. Non, merci. Ne te méprends pas surtout, je voudrais juste te parler. Pour te proposer de participer à d'autres foires en représentant ma ferme. Je te paierai très bien. Excusez-moi. Allô? Oui, je suis sortie, je vais te rejoindre. Si tu es attendu, je peux t'emmener si tu veux. Non, merci beaucoup. C'était un plaisir de te rencontrer. Et j'espère qu'on se recroisera bientôt dans un parc d'Ishamal. Et qu'on pourra parler plus calmement de mon offre. On verra bien. Au revoir. Au revoir. J'ai trop la poisse, Angela. Je suis pauvre, Octavio ne veut pas de moi comme belle-fille et mes parents divorcent. Oh, et d'ailleurs, je voulais te dire que je voulais plus qu'on soit amis. Oh, Angela, t'es vraiment bête. Isa, c'est normal qu'avec cette crise, beaucoup de choses s'enchaînent. Mais je crois pas que ta mère soit sérieuse, ton père est adorable. Plusieurs amis ici m'ont déjà bloqué de leurs réseaux sociaux, Angela. Ça me tue socialement. Et si Raphaël annule le mariage, je meurs littéralement. Je pense pas que Raphaël va annuler le mariage, je suis sûre qu'il va te soutenir. Je dois suivre les conseils de ma mère et je sais pas comment, mais je vais me marier et quitter cette ville dès que possible. Merci d'avoir amené le médecin. Encore un peu plus et mes tripes se seraient échappées de mon crâne. Oh. L'important, c'est que tu ailles bien maintenant, Juana Banana. Avec qui je me battrais si quelque chose t'arrivait? Avec ton poisson. Ou avec une autre femme. Je ne crois pas que t'auras à chercher beaucoup. Ça recommence. Oh, Juana, je me sens tellement responsable de tout ça. Ça a un rapport avec l'usine de conditionnement. Ah non, on peut pas être sûr de ça. Juana, qu'est-ce qui a été volé? Rien. Pourquoi sont-ils venus? Pour fouiller dans mes photos? Pour fouiller dans mes papiers? C'était eux. Oh, Juana... Tu es ma seule famille. Si quelque chose de mal t'arrivait, j'en mourrais. Oh. Germaine, c'est vrai, Laetitia a raison. Ne t'en va pas. Sérieusement, je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir aidé, mais je ne pensais pas que tu avais des problèmes à ce point-là. Tu vois, je ne t'ai pas menti. Écoute, Octavio, je te remercie de soutenir ma femme et ma fille. Mais je ne vais pas te déranger. Attends, Germaine. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Tu ne me déranges pas, tu es mon ami et je vais t'aider. Ton amitié a plus de valeur pour moi que tout l'argent du monde. Mais je te dois beaucoup. Oui, mais un jour tu me rembourseras. Parce que je sais que très bientôt tu vas te remettre de cette chute. Aussi longtemps que je vivrai, mon cher Germaine, je t'aiderai. Courage. Tu es sans aucun doute un vrai ami, Octavio. Bon... Je vais dire à Laetitia que je reste. Oui, oui, très bien. Allez, courage. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, de rien. C'est ta maison. Merci. C'est ta maison. Papa? Où tu vas avec cette valise? Je suppose que ta mère t'a déjà dit qu'elle avait demandé le divorce.
Oui, mais je suis sûre qu'elle ne le pensait pas. Tu sais qu'elle devient super énervée quand elle n'a pas ce qu'elle veut. C'est sûr. Et comme elle n'a plus l'argent qu'elle avait l'habitude de dépenser, elle est devenue très énervée. Mais de tous, c'est moi qui ai le plus perdu. J'ai perdu ma famille. Oh, dites pas ça, German. Isabella va être vraiment triste si vous partez. Pas vrai? Oui. Oui, papa, je t'aime vraiment. Tiens le coup un peu plus longtemps jusqu'à ce que maman se remette de sa colère, s'il te plaît. Ma chérie, moi aussi je t'aime vraiment. Ils emmènent déjà une partie du bétail de Monsieur Gallardo à l'usine de conditionnement. Très bien. L'autre partie, tu vas la laisser à son ancienne ferme. Et maintenant, c'est à vous. Eh oui. Bon, mon ami ne doit pas l'apprendre. Et s'il te demande pourquoi leur bétail est allé à l'usine de conditionnement, tu leur dis qu'on les a achetés à la banque, qui les a saisis. Monsieur Gallardo ne se doute pas que vous l'avez conduit à sa ruine. Tu sais ce qui est le mieux dans tout ça, Carmelo? Que je peux me moquer de tout le monde. En face. Regardez, regardez. Je vais vous montrer les photos qui étaient dans la chambre de Fernanda. Envoie-les-moi. Et tu sais aussi quoi m'envoyer? Le contrat que tu as avec Juana, à un moment donné, on pourra en tirer un avantage. Oh non, non, non. Je ne pense pas, patron. Tous les amis de Fernanda sont des gens sans argent, des gens sans pouvoir. Regardez. Celui qui en a le plus, c'est ce Chilango avec son restaurant. Je ne doute pas que Fernanda et Santiago savaient pour ce qui s'est passé il y a 3 ans, Carmelo. Vraiment, patron? Depuis que cette femme est apparue, vous semblez inquiet et préoccupé. Je vous l'ai dit, je peux me débarrasser d'elle une fois pour toutes. Tu veux finir ce que tu n'as pas pu faire il y a des années, c'est ça? Bien oui. Comme ça, on en sera débarrassé. Pourquoi pas, hein? Aïe! Si tu avais fait ton travail correctement, je ne prendrais pas autant de risques aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, je vais me débarrasser d'elle une fois pour toutes. Non, je te remercie beaucoup, Carmelo. Je préfère le faire à ma façon. Mais tu mérites d'être puni, tu comprends? Tu le sais, pas vrai? Tu as échoué. Tu as échoué. Je ne voulais pas que ça arrive. Si c'est moi qu'ils veulent, qu'ils viennent me chercher. Non, non, s'il te plaît, arrête avec tout ça maintenant. La réalité, c'est que depuis le jour où tu es entré dans cette usine de conditionnement, tu dois surveiller tes arrières. Mais je ne vais pas lâcher l'affaire. Je vais utiliser les mêmes méthodes qu'eux. Ça va aller. Je te jure que je peux plus supporter ça, Raphaël. Je veux juste partir loin d'ici. Non, c'est pas une bonne idée. Ça arrangera pas les choses entre tes parents. Si tu pars, ta mère pourrait blâmer ton père pour ta fuite. Non, mais j'ai peur que les querelles de ma famille finissent par affecter notre relation. Ça n'arrivera pas, ma chérie, je te le promets. Non, tu peux pas être sûre de ça. Avant, je pensais que ma vie était parfaite. Et aujourd'hui, je suis devenue pauvre, bonne à rien et je sais pas quoi d'autre. Je doute même qu'on puisse se marier. Non, Isabella, regarde-moi. Tu m'as, moi. Si ça te rassure, avançons le mariage, c'est ce que tu veux. T'es sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Ça te rassurerait, non? Oui, mais... si ton père n'est pas d'accord... Chérie, je vais parler à mon père et ne t'inquiète pas pour ça. L'idée était de se marier ici à Ishamal, non? Eh bien, marions-nous et allons en Italie. Oui. Oui. Voilà pourquoi tu me plais autant. Tu n'abandonnes pas et tu te bats, Fernanda. Tu es exactement comme moi. Ah,
Hey, quoi encore vous? La prochaine fois que vous voudrez faire du mal aux gens que j'aime, vous aurez affaire à moi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ma main ne tremble pas lorsqu'il s'agit de tuer mes ennemis. Et si vous me cherchez, alors vous me trouverez.